Et vous êtes déjà présenté là physiquement depuis Draman, oui, ça y est. Non, physiquement, non, mais on est en contact avec nos communautés, tous dans l'organisation, dans Bissoto Landaka, toujours là-bas, programme et tout, parce que bon, on a aussi des invités, pasteur. Papa Franck, une mort, oui, ça là, actualité, donc, nous avons un besoin, nous avons une manière rebelle. Et tant que. Un homme de Dieu, ou Salah Moussala Moko, na évangéliste Matou Samuel, Koukou fait la trois bassi, parce que ce qui est officiel, bazo répétant en plus, trois bassi, na ikar il y a moins de 20 ans. Comment étant que chantre le roi aïe, ou Jijé Yango? Bon, Naza vraiment na optique, il y a. Donc je ne peux que compatir. On a plutôt un élan et la compassion. Peu importe ce que les gens disent, mais Kobungi Samutu, c'est pas facile. Peu importe ma réflexion, mon abisso ba bantu, et ça monde ka ba réflexion et puis mon malheureusement muto yo ka passi, il est le seul quoi donc. Comme compliqué yo za muta medio ebikutu calamité artiste mo ya mokili et je vais pas citer le nom, il est décédé na Côte d'Ivoire. On est même allé déterrer son corps, on a vu le cercueil ba komulungula bile non na yebite bis ba tumwin. Excusez papa, toi na problème. Excusez papa Franck, vous boy ko tanga kombo. Il y a artiste moi à Kofi. Est-ce que à ta visite tout tour mon reboué et pas frère Matou, est-ce que aussi effectué en auto et saliminant? Non bon le problème c'est que Inga personnellement j'ai appris cette nouvelle là ici et puis bienvenue cher abonné d'internet et amoureux de l'actualité, vous aimez bien suivre l'actualité partout et surtout chez moi, Héritier Maestro, qui vous amène plus l'actualité et surtout des informations concrètes. Car mon travail est de vous informer et non, il y a aussi Abissali. Là, voilà, aujourd'hui, je suis sur mon plateau avec de grands hommes, hein, de grands messieurs. Ça sera pour ma toute première fois que je suis dans la presse. Donc voilà, nous allons les découvrir ensemble avec vous parce que donc vous avez déjà habitué avec moi ma baba politique culturelle sur le côté au penza toya non mingi té mais déjà to fond holandela lilo avec le pasteur. On commence d'abord par le pasteur Charlie Kongolo qui est à mes côtés. Je m'en vais d'abord dire bonjour au pasteur Charlie. Bonjour pasteur. Bonjour, bonjour. Pasteur, santé Kimia. Ouais, santé ça très bien par la grâce de Dieu, merci. Pasteur Charlie, vous débarquez de l'Europe, ben, précisément dans Londres. Est-ce que toi, tu as habité, parce que tu as habité dans le monde entier, qu'on maîtrisait bien, ou expliquer Bango clairement qui est pasteur Charlie, qu'on la place n'a explication. Bon, d'abord, je suis basé en Angleterre, dans une ville qu'on appelle Plymouth, à 3 heures de Londres. Je suis premièrement chrétien, et puis je suis musicien, artiste et musicien. Voilà, donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Merci. Nous tournons de l'autre côté. J'irai Saint-Piana. Aide-nous à voir encore l'autre. Il est un grand artiste aussi. Né dans l'hôtel Koloba, dans la Bampakale, dans ce soir-là, dans le Mikolo. Donc, l'artiste Papa Franck Moulaja à ma gauche. Papa Franck, bonjour. Bonjour, mon frère. Papa Franck, un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Et on a tellement des abonnés où on a mis sur Fanny Bauta Abisso. Mais Papa Franck, Bazo Talayou, partout dans le monde. Et Baebio, chanteur. Baebio, on a qualité tout. Oh, Baebio, on a.
un bonjour, un message na bango pour de débuter émission na biso. Ben vraiment na pesi bango mbote na komo na Yesu na ebike to leksa bata malamu na na sengo ya partager plateau na pasteur Charlie wa uti biso na Londres. Penayo Moko, je crois qu'on passera de bons moments. Merci beaucoup, c'était Papa Franck Moula Jacques. Vous êtes déjà habitué à Yakomonaï Mingi. Aujourd'hui, nous allons parler plus du pasteur Charlie Oyo Aza Mupaya na biso. Donc Mupaya yangai na Papa Franck biso de to yambié a to lobela Mingi. Après sa biso vision na ye et puis pourquoi aye na kin aye linini aye sa biso et après to zoape ba déclaration ya Papa Franck Moulaja et na sukalango na lisomon la bombe bino eza surprise ba papa ba répondre ngai papa Charlie Kongolo papa pasteur artiste chanteur mission na yo na Kinshasa plus ezani bon j'ai mission na principalement na Kinshasa eza d'apporter mon œuvre. Ça veut dire mes chansons, les chansons que j'ai écrites, j'ai composées. Je voulais porter ça na bande de Konanga nyoso ya Kinshasa, ya République démocratique du Congo. C'est un nouvel album que j'ai enregistré à Londres et puis. Je voulais quand même apporter ça et puis bande de cognons sont pas à en mesure à savourer en gros. Donc je suis sûr qu'avec le temps ils auront l'opportunité yako monango yako yokango ils ont le cas déjà dans quelques chaînes de télévision, de radio, mais dans les jours à venir probablement nous allons étendre encore plateforme y a ma chaîne et télévision. Donc principalement c'est le nouvel album, les nouvelles chansons que j'ai produit récemment. Yamone Mutunaye Komema na public na biso awa na Kinshasa. Donc mission principale les alliés à sa promotion y a album au Utiko Kobinsa. Papa pasteur Charlie, tous en a combien de titres dans quatre albums et puis le nom de l'album. Tous en a 9 titres en album et puis comme album est My Comfort. My Comfort est en anglais, en français est alliés mon confort. En fait, je chante Jésus est mon confort dans le temps de malheur, de souffrance, de difficultés, dans le temps de détresse. Mon confort, c'est Jésus. Donc, voilà pourquoi j'ai donné à l'album le titre de My Comfort, qui est Jésus est mon confort. Papa pasteur Charlie, Jésus est mon confort, comme vous venez de le dire, ma titre est en anglais, parce qu'il semble difficile, il y a un peu de trop, il y a prononcé en anglais, et il y a un peu de temps. Beaucoup trop de ming musique parce que titre est déjà en anglais. Na Katiwana, 9 titres, ils ont en Katiwana. Français, lingala, to anglais, kaka. Parce que titre est déjà en anglais. Bon, na neuf titres, wana. 9 titres en anglais. Mais nous avons le rôle à ma comfort, ils ont combat titre y a album. Naimbi dans deux langues. Naimbi, première partie naimbi en anglais et puis deuxième partie naimbi en français. Nous avons besoin na couplet monko, na refrain monko, mais donc j'ai chanté refrain monko en anglais, puis refrain monko, couplet monko en anglais. Couplet mon en français, refrain mon en anglais, refrain mon en anglais. Donc, j'ai fait ça pour que ceux qui ne comprennent pas l'anglais, dans la mesure aussi, y a bénéficié, y a comprendre Nzembu, et puis pour que édifier Bango. Voilà, donc principalement, les chansons sont en anglais. Donc, Nzembu Moko Oyo, Isa Katikati, donc, Tobito Kaboli, anglais na français. Biso batu ya lingala siko
Donc, dans quatre albums, on a tout aussi retrouvé. Voilà. Il y a eu, je crois, exemple important que Namega a expliqué un peu le parcours Nangaï brièvement pour que les gens comprennent un peu en fait ce que je suis en train de faire. J'ai produit ce premier album depuis que j'ai quitté le pays à peu près 14 ans en anglais, mais le projet est ça que dans les mois à venir, je vais produire les chansons na lingala, na français, parce que comme vous aurez compris, évoluer dans un pays anglo-saxon comme musicien, je dois être en mesure de m'adresser à la communauté anglo-saxonne aussi. Donc là où je suis basé, là où je vis, là où j'œuvre pour Dieu, je devrais être en mesure de produire l'album Moko Oyo et Nga qui édifie Bango. Et puis je dois aussi produire un album où ils sont en mesure d'édifier Bande Konabiso, il y a Awa qui ne parle pas l'anglais, qui ne comprennent pas l'anglais. Donc pour moi c'est juste un début d'un nouvel ère. Nakati a ministère Nanga Moko, na sens ya j'essaye de produire des œuvres, mais qui soient soit en anglais, soit en lingala. Parfois c'est difficile à produire en ngonyo sur Mbalamoko, mais dans le premier la première œuvre c'est en anglais, et puis l'œuvre qui va suivre ça sera très certainement na lingala et na français. Ok, merci beaucoup. C'est le pasteur Charlie. Apprécie ma précision concernant l'album Naé. Oyo, on a mis qui co-critiquant trop anglais dans Kati. Donc, biso bazwa lingala to se retrouver. Tout qui est dans nos côtés, il y a Papa Franck. Papa Franck, to yo qui maloba ya Papa Charlie. Album Naé, anglais. Donc, à 90%, je peux dire anglais. Français 10% et côté. Et tant que un doyen na musique art, ya Congo, musique chrétienne na Congo. Et puis, je pense que Oibi Papa Charlie parfois avant Londres, na style Oyatika, na style Oyaye nango, na style Oyoyebi, Oiza Lelo actuellement, OJJ album en ngondengene. Merci. Je crois que Pasteur Charlie a répondu à Bissot un peu aussi par rapport à parcours. Il faut dire que pour la petite histoire, Pasteur Charlie, c'est un grand ami à moi. C'est au-delà même de l'amitié, nous sommes des frères. Tu es collé presque musique ensemble. Na chorale Gloria, na Lemba, avec Baene, na Bissouba encadre, na Bissouba, na Mikilia Poto et tout. Et puis, on a ensemble dirigé la chorale. Donc, on a ensemble évolué na ba première pas, na Bissouba musical, et puis ba studio, comme on travaillait déjà ici, musique. Là, tout ça, na ba ané, ba 95, ba avant les années 2000, quoi. Donc, vraiment, tout bandi. Bandi Makamu Kalana Pasteur Charlie. Avant Akine, il a même fait un album, je crois, na Sangumalamu. Sangumalamu, où il y avait des chants en français, à Lingala. Bon, maintenant qu'il évolue dans un milieu anglophone, un bon pasteur, mais aussi un homme intelligent et comment dire bien intégré, et il n'a pas voulu faire entre guillemets ce que font des fois nos frères dans un milieu où, par exemple, il y a anglais, mais au moins dans l'église bate à Kanalingala. Donc il n'y a pas biso bungate quoi. Et en pêche chacun
bato ya ya milieu wana o ba yoka linga la te, et c'est l'un des erreurs to ba faille o ba batu mingi ya ba nationalité mususu ba taxa biso toza trop collé na linga la na biso. Donc je crois que c'était normal pour un premier temps. C'est un album tokolo ba international qui ne s'annonce pas que qui ne s'adresse pas nécessairement à la bisomo ba congolais, mais le lot oui bien anglais ndé onangai dans na mona ngé do fuka tout ça les photos et bata ba hello taba good morning pour na bisio francine lingala et si le lapsuka na njili soko kotika na bien boy comme hello. Donc vraiment avec cet album, ça nous aide aussi à entrer dans ce monde-là de l'international avec Pasteur Charlie. Mais Ninga Lobby, nous sommes en train de travailler ensemble avec lui de manière à ce que les mois qui viennent, l'année qui vient, à reproduire sous ma chant, il y a Lingala, pays français, où il y a la mieux introduit à la communauté. Selon Gaï, Papa Franck, na yoki olobi lo mora ya interesa inga mena boya ko kata yo. Obi tango bande ko mususu baza na ba pays anglophone, bazo sala la trop lingala. Donc côté ya soit ko yemba ba yemba trop na lingala iso lesé. Parce que tango Pasteur Charlie aye awa o iza mabele ya bakoko na ye. Iza kin. Quand on zoome mes habits sur Sukoyo, album y a anglais. Donc, à privilégier ba paya, à négliger biso ba kinois. Non. En fait, après ça, c'est quoi mon examen, mon anglais mukié. Parce que disons là que, comme je dis, il faut d'abord comprendre. Le projet, l'album Nyon Suzara na projet na mou. Neto lobi pe pasteur explika ki an mou. Projet album ou ezan an nou adresse directement na ba congolais. Sinon, le pasteur ne ferait pas un album pleinement na anglais pou kakan biso awa. Vraiment, ezan inconcevable. C'est un album qui avait ou qui a comme destination première le monde anglophone. Mais étant homme à culture, étant artiste, il a aussi voulu partager cette richesse. Nabiso, mon musique est une frontière. Ngai par exemple, l'une des artistes, il y a un monde gospel anglophone, Rebecca Malope. Na tuta na kula na banze mnaie na sambela na banze mnaie na yoka kama lobalobati. C'est ça la force de la musique. Des fois, ça dépasse même le côté lyrique. Quand l'Esprit de Dieu est là, tu peux être embarqué dans un chant anglophone. D'ailleurs, à l'heure actuelle, c'est les Nigériens qui sont top. On les voit même venir ici, Ada, Snatch, on les balinga la terre. Ça va concert plein en avance en anglais. Donc, je crois que c'est une ouverture. Et c'est vraiment un album qui est bienvenu à Wapena Kinshasa. Merci, oui. Voilà. Mon premier album, Oezobima, Oebimi, est un album qui a été produit dans le concert More Live. On appelle pas ça concert parce que c'était un moment d'adoration, un moment de louange où il y a eu un public, les chrétiens sont venus ensemble pour adorer Dieu, louer Dieu avec les chansons. Donc nous avons produit un album au moment où nous étions en train d'adorer, de glorifier Dieu. Le problème c'est que le public qui a pris part à ce moment d'adoration-là, c'est un public anglo-saxon. Ils comprennent l'anglais. Si tu essaies de chanter en lingala, ils aimeront la mélodie, la musique, ainsi de suite. Mais ça sera difficile pour eux
d'adorer parce qu'ils comprennent pas exactement ce qu'ils sont en fait ce que vous êtes en train de chanter. Donc on dit fallait toyemba banzi muna munoko ba ngoba ko comprendre pe ba adorer les nzambe. Tu peux pas dire amen à quelque chose que tu comprends pas. Donc c'était ça la raison, c'était ça la raison. Mais dans les prochains mois, dans le bac ici, on va produire des chansons enregistrées au studio. Parce que là, on n'a pas un public destiné à un autre public, à notre propre communauté, à nos propres frères et sœurs congolais, quinois, qui comprennent le français, qui comprennent dans le lingala. Merci, voilà, nous chitons donc côté Oyo, tout côté parti à Souka pour pasteur après sa programme la vision naïe pendant combien de temps et puis album en auto on a ba plateforme nini à téléchargement il doit donner ça mais pour tout boucler deuxième sujet nazana ba pasteur. Basal y a nzambe plutôt na plateau na ko lika te sans que to beta li solo ya actualité o ya lelo. Donc actualité ya lelo ta on a recevoir basal y a nzambe to beta actualité ya politique te ya banani o te ya balete mais to beta ya côté na bango. Papa Frank to banana papa Frank photo ya et pas pasteur. Ozana kin. Oza mpaya te. Osa au moins informé tout au courant et que frère tout évangéliste Matou Samuel Azali éprouvé bien sûr d'ailleurs on a profité d'un micro pour nous représenter puis par condoléances naïe puis la famille Mobimba comme tu dis c'est une actualité c'est un homme public dans le domaine à gospel ou à perdre moi si naïe zozo compatir vraiment na mawa oye komeli papa Matou Samuel. Papa Frank, une mort oye sa la actualité donc netinga robenga ngo besoin boye batu ba bazo lobela ngo na ba manière ebele étant que un homme de Dieu oye sa la musala moko na évangéliste Matou Samuel Koukou fait la trois bassi parce que ce qui est officiel bazo répétant en plus trois bassi naïkar il y a moins de 20 ans comment étant que chantre le roi est au jugé en haut bon naza vraiment na optique il y a qu'au jugé et puis je respecte tellement papa Matou. C'est l'un des pionniers de la musique chrétienne Awa. Donc je ne peux que compatir. On a plutôt un élan et la compassion. Peu importe ce que les gens disent, mais Kobung Isamutuza, c'est pas facile. Peu importe ma réflexion, mon abisso ba bantu. Et ça monde qui a ma réflexion et puis moni malheureusement Mouta Oyoka Passi il est le seul quoi donc pour tout compatir tout me soutenir rien à moment où il y a Passi bon biso pende comme il a pour na biso et c'est on a biso et comme il a ba buzz na biso je crois que c'est pas une bonne chose. Peu importe ce qui arrive, mais d'abord tout est banal que c'est un cas de deuil. Et on m'a dit même nani cortège à Nibabenga nini comment dire non cortège corbillard j'allais dire le corbillard qu'a sa ezo le kananzela basoda basani moi soda. Aokata salut parce qu'il faut un respect. Mais oui, comme na communauté na biso ba bantu et comme compliqué. Oyoza muta media ebikutu calamité artiste mo ya mokili et je vais pas citer le nom, il est décédé na Côte d'Ivoire. On est même allé déterrer son corps. On a vu le cercle excusez papa Franck vous avez vous donc au bout du temps à Kombo
y a artiste et moi Koufi. Est-ce que problème moi Zara entre Bino ba artiste? Non, il y a problème t'es mais moni na Kimi na sens que na rota na tant sous na prononcer bien t. Ah ouais, ok, d'accord, c'est bon. Il s'agit de tel artiste. Merci beaucoup. Comprenez que c'est comme ça. Moi, pour conclure, j'apporte mon soutien, mon respect, vraiment mes condoléances. Na papa Matou, je prie que Nzamba Sunga, que les obsèques se passent dans la paix. Et c'est tout ce que je souhaite pour papa Matou Samuel. Et vous êtes déjà présenté là physiquement depuis Draman, oui, ça y est. Non, physiquement, non, mais on est en contact avec nos communautés, tous dans l'organisation, dans Bissou Tolandaka, tous dans le programme et tout, parce que bon, on a aussi des invités, pasteur Charlie Aza à Outi, Angleterre, et il faut quand même être avec lui dans ses jours, à part lui, tous dans le programme, tous dans le programme. Ça ne me donne pas encore le temps d'aller physiquement. Mais je suis vraiment à la page. Il y a l'organisation Nyon Sot, Ose la programme. Et puis, tu peux participer à ce long programme de Nyon Ozala. Papa Franck, c'est bon? Non, si ça nous la question, il y a Soukao. Oui. Oh, excusez-moi. Vous privilégiez plus Bapaya ou Baye Libanda par rapport à Passimon Roboye et Zanamboka. Voilà la question à Liboso. Benango Ezali. Ozo banga te koko mana liye wana parce que kuna ilumbe lumbe ezala kuna lisusu ya makasi ya kete bino basali ya nzambe nde bokomisiko bademona ya misubu bon na moye ba question ya ra ba question ba taba internet ba polémique. Non, je comprends. Non, c'est ce que je vois surtout votre style. Non, je crois que et c'est pas privilégié ou pas. En fait, je suis, comme j'ai dit, je suis le deuil des Banda et Bandeli. Et puis nous avons nos aînés, tous en contact, Nabango. Ils ont eu le temps de faire ce pas. Sincèrement, je n'ai pas encore eu le temps matériel. D'y être vu. Il est dans l'lobby, j'ai des amis au Nazo Tuzana Bango pour un moment et dire que le corps est encore dans la morgue, il y a tout le temps au programme et au Pesama, on va être là. Ça, il n'y a pas de souci. Mais dans 2-3 jours au Les Sangouillers, je n'ai pas eu le temps pour aller sur place. Et c'est seulement question à moi, agenda, et permettre-t-il. Merci beaucoup pour tout éterniser au Anaté. La bouille n'a pas caché à bâtir Internet. Comprenez que ça se passe comme ça et c'est bon. Nous allons évoluer aussi avec le pasteur. Pasteur, vous êtes arrivé, si je ne me trompe pas, le vendredi. Et c'était le samedi où on a apprendre samedi vers 6h que maman Kapi a tiki bisou le samedi à 4h. Je pense que depuis que vous êtes ici, yo kaki pe message wana. Oui, j'ai appris ça. J'ai appris le message. Donc, j'en profite aussi pour présenter toutes mes condoléances à la famille attristée, à notre frère Matou Samuel. Voilà, donc c'est ça. On prie seulement que Nzambe a assisté la famille, à soutenir Bango, parce que c'était un moment très douloureux pour Nabango Nyonsoka. Pasteur, tu es bien que Naba Moma Yaboué, Ndeba Toa Lukara, Baba Kiko Lakisa, Kibo Bango, donc Kiboye, Moutoua qui a mis la Kisa Kete, il faut frère Matoua sentir Kete, Pasteur Charlie Mouboué, Aouti Londres, Pena, il faut Akita, elle a marqué présence dans Gawana, ba caméra, ba Nini, ou ça la paix combo dans Nassima, y a deux Yuana. Yo depuis Oza Akin, et puis Sangwani Komelio, à ta visite, tout tour Mouboué, et pas frère Matou, est-ce que aussi effectué en auto et saluminant? Non, bon,
le problème c'est que Inga personnellement j'ai appris cette nouvelle là ici et puis bon quand on vient tu viens déjà avec un agenda Mama Kambosa là moi Kili mais bon on sait que ils sont entourés par leur famille les amis ainsi de suite donc nous continuons à prier vous savez tu n'as pas toujours à crier tout haut, mais lorsque vous apprenez une nouvelle mot en Ndengwana, toutes vos prières vont vers la famille attristée. Voilà, donc c'est ça ce que je peux dire. Ce qui est trop dramatique aussi dans cette histoire, pasteur, c'est juste que, comment, il faut que, yende muto a kwela ka ba makambwana i think you baba sali nzambe boko yebisa boko lendisa biso ndeni ezaka yende muto ka mamwane kwe mais bon seul Dieu sait bon, pour l'instant nous on ne peut que compatir avec la famille on doit que compatir avec notre frère avec toute la famille voilà donc oui tikalo ezaka nzambe mon gars. Merci beaucoup, pasteur Charlie. Nous terminons déjà. Un message, le programme message na batutu balandi biso album ba koki kozongo na ba plateforme nini ya télécharge. Voilà, actuellement dans na ba plateforme nyo digital, vous pouvez accéder na l'album iTunes, kozongo na iTunes, Spotify. YouTube Music, ma plateforme nous obno yebi, il y a digital, vous pouvez accéder à cet album là. Pour au moment où je vous parle, c'est le seul endroit pour vous en gros. On ne vend pas l'album de manière matérielle. Il y a un CD ou bien un DVD. Bien que cela va venir un peu plus tard, mais pour l'instant, de manière immédiate, vous pouvez aller na ba plateforme dans la lobby, vous pouvez écouter, télécharger, acheter dans Nyon Sowana. Vous pouvez nous visiter aussi sur notre propre YouTube channel. Si vous tapez Charlie Kongolo, vous allez me trouver. Vous allez trouver les vidéos aussi, des chansons, ainsi que certaines chansons. Pour vous trouver, bako contacter yo na numéro ni soit na internet, c'est par quel voilà, je peux être joint na numéro nangai en Angleterre 0044 79 436 75 730. Voilà, ou bien email, go email ngai na Charlie Kongolo at yahoo.fr. Voilà. Bon, na Facebook aussi, on est là. Na Facebook, je peux peut-être trouver Charlie Kongolo tout simplement. Vous allez me trouver sur Facebook. Merci beaucoup, pasteur Charlie. Papa Franck, oui, mon frère. Un dernier message na batutu balandi biso na mamutu tolobi awa. Non, mais c'est Peli, n'a arrivé à pasteur Charlie. Je crois que, comme il a dit, c'est pas la dernière fois. Nous avons la grâce. Pour l'année prochaine. Il est vraiment le bienvenu dans la communauté. Et merci pour l'apport de Bino, promotionnel, Bandikoule Bamona, émission, Banzembu, et c'est comme ça petit à petit que Tokozo Asusu ma grâce parce que c'est vraiment un homme de Dieu qui nous bénit, je connais, grâce au Nzamba Tchakat Nae pour le domaine musical. Donc vraiment, je suis dans la joie de voir le retour sur scène, la communauté, pasteur, nous prier Kenzambe. À sa sous-grâce, Makas. Merci pour ce moment, merci pour l'interview. Voilà tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, papa Franck.
Bamiki Koloba, le pasteur a parlé, Papa Franck aussi a parlé, vous avez compris, Tomiki Ko touché moi à point où il est essentiel pour Nalilo. L'album est là. Tout qui est adresse au pasteur Charlie Apissi, tout mes cas téléchargé, Koyoka. Après, tout s'est contacté, vous pouvez s'en avoir un résultat parce que moi je vous promets que c'est. Eh, surtout, Bino Batolinga, moi, ma ramboana, pour prier Mingi, au Bolinga, pour taper dans Mouzindo, à travers adoration, tout qui est tout téléchargé et ça a bien. Papa Franck, est-ce que pensez-vous qu'un jour, pasteur Charlie na papa Frank Bayembi. Ah, ça les a appelé c'est moi. Dengue nzamba sal grâce to comme kutana souvent maintenant. Je crois que ça va vraiment bien prochainement, pourquoi pas tout ça la featuring na pasteur Charlie. Et vous avez vraiment bien c'est je crois que Isaac tu souhaitais mes arbres na yango. Tout ça là. Ok, merci. Bakosala Yango, pasteur, êtes-vous prêt ou d'accord à propos y a Papa Franck? Oui, bien sûr. Franck, c'est un ami d'enfance. Je crois que nous avons beaucoup en commun. Beaucoup en commun. Contrairement à. Je crois on s'est connu avec Franck depuis la troisième primaire, tu as une école primaire Moko, tu as une chorale Moko, donc nous avons fait un parcours commun, et puis non seulement cela sur le plan personnalité, caractère, nous avons tellement de choses, en fait on se complète, on discute un peu beaucoup.